Salut les gens, c'est Julien, pour C'est bien d'être bien. Et oui, je sais, quand vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo, vous ne vous attendiez pas à voir la scène qui vient de se passer, mais plutôt ma tronche en mode teckel. Quoi, vous êtes déçus? Bon allez, mais vraiment parce que vous insistez. Bon, plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour le test des chaussettes Pro Wrestling Socks Trail version 2.1 de chez Compressport. Et oui, je sais, vous vous demandez toujours quel est le rapport avec la scène d'ouverture de cette vidéo. Et bah vous inquiétez pas, on y vient. Donc quand on regarde l'emballage de cette paire de chaussettes, on retrouve ici plein de pictogrammes présentant les différentes technologies présentes. Ouais, de nos jours, ils arrivent à mettre tout plein de trucs dans des chaussettes. Alors en gros, ça dit qu'elles sont très ventilées, qu'elles évacuent bien l'humidité, qu'elles apportent une protection des tendons d'Achille et des malléoles, qu'elles permettent d'absorber les chocs, qu'elles améliorent le retour veineux, et même qu'elles vous massent les pieds. C'est bon, vous voyez un peu mieux le rapport maintenant? Alors voyons voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Alors bon, moi je trouve qu'elles ont une bonne gueule, même si bon, on s'en cogne un peu, parce qu'une fois dans les pompes, on les voit plus trop. On y voit tout d'abord tous ces gros points qui sont les 3D dots. Alors c'est ça qui doit vous masser les pieds, mais aussi absorber les chocs. Elles sont assez fines et le textile semble de très bonne qualité. On distingue des zones d'élasticité différentes, mais aussi des zones plus épaisses, comme ici, à l'avant, pour protéger les orteils. Là en dessous, on nous rappelle la pointure et on nous indique une lettre L ou R pour savoir si c'est la chaussette droite ou la chaussette gauche. Et oui, elles sont anatomiques. Bon, après, si vous connaissez pas votre droite de votre gauche, eh ben je peux rien pour vous. À l'enfilage, faut y aller doucement, les zones de compression ne facilitent pas toujours le passage. Une fois dedans, on voit que ça s'ajuste vraiment bien, et puis on y est pas mal installé. On sent que le pied est agréablement maintenu, surtout au niveau de la voûte plantaire. Quand on pose les pieds au sol, on ressent les 3D dots, et c'est pas désagréable. Bon après, croyez pas que ça va remplacer un salon de massage. Par contre, une fois dans les chaussures, on ne les sent plus. Franchement, je pourrais pas vous dire si ça a amélioré le retour veineux ou si ça me massait les pieds pendant que je courais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont super confortables. Il n'y a pas eu de glissement dans les chaussures et elles n'ont pas bougé sur les pieds. Une très très bonne évacuation de l'humidité. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Même après plusieurs heures d'effort, avec de temps en temps quelques flaques, eh ben elles étaient quand même sèches à l'arrivée. Puis comme ça sèche vite, ça pue pas, donc vous pourrez les remettre le lendemain si vous n'avez pas fait une grosse sortie. Quoi, comment ça c'est crade? On sent bien la ventilation à cause de leur finesse, alors attention en hiver pour les frileux. Mais bon, en été, ça va être que du bonheur. En tout cas, je n'ai jamais eu de sensation d'échauffement. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment kiffé courir avec ces chaussettes qui sont d'une fabrication de qualité et d'un grand confort. Après, pour le reste des technologies indiquées, sûrement qu'il y a des effets, mais je suis pas sûr qu'on les ressente directement. Éventuellement, je pourrais reprocher un petit truc. À l'intérieur, on a les excédents de fil des différents éléments présents sur les chaussettes. Alors en soi, c'est pas gênant, mais si on a les ongles un petit peu abîmés, ça risquerait de s'accrocher dedans. Et maintenant, on passe à la douloureuse. 15 balles la paire de chaussettes. Bon après, ça reste dans les prix, et j'en ai déjà vu des plus chers, mais ça reste des chaussettes quoi. Mais c'est vrai que pour le confort apporté, je suis prêt à mettre quelques euros de plus. Restera à voir leur durée de vie, mais pour le moment, pas de signe d'usure et zéro déformation. De toute façon, Compressport les garantit 2 ans, et oui, on a une époque où même les chaussettes sont garanties, et puis si au bout de 30 jours ça vous plaît pas, ils les reprennent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, laissez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Hydratation Hydrabelt ACE2, ou ACE peut-être, de chez Oxitis. Cette ceinture va vous permettre d'emmener confortablement avec vous 600 ml de flotte et quelques affaires. Pourquoi je dis confortablement? Eh bah déjà, parce qu'on a ici un dos large avec quelques zones rembourrées, et le tout est en mèche bien.